Les exercices réguliers offrent d'innombrables avantages. Ils renforcent votre système immunitaire, améliorent la santé de vos os et réduisent les risques pour la santé tels que les problèmes cardiaques, le diabète et de nombreuses autres maladies potentiellement mortelles. Avec les responsabilités familiales croissantes et les emplois exigeants, l'exercice prend une place arrière dans la liste des priorités. La plupart d'entre nous donnent de brillantes excuses pour ne pas faire d'exercice régulièrement. Être trop occupé est l'excuse la plus courante. Voici 10 exercices pour débutants faciles à faire que tout homme peut faire à la maison. Fondamentalement, ces exercices nécessitent trop peu ou pas d'équipement. Vous pouvez utiliser votre poids corporel lui-même comme équipement. 10 meilleurs exercices à faire à la maison pour les hommes et les femmes. 1. Saut d'obstacle. Cet exercice cible tout le corps. Les jumping jacks sont les meilleurs exercices cardio. Il y a plusieurs avantages à l'inclure dans votre programme d'exercice quotidien. Il rend votre cœur plus fort, renforce les muscles, aide à perdre du poids, renforce les os et améliore instantanément votre humeur et aide à soulager le stress. Il vous rend plus fort, flexible en améliorant votre stabilité et votre endurance. 2. Planche. C'est le meilleur exercice pour les abdos durs. Un exercice simple pour les débutants pour des abdominaux plus forts et pour renforcer vos épaules, vos bras et votre dos. Cela peut être fait dans de nombreuses variantes. Comment faire ? Mettez-vous en position de pompe, avec les coudes pliés à 90 degrés en gardant le poids de votre corps sur vos avant-bras. 3. Craquement croisé. C'est un exercice plus efficace et plus facile pour les abdominaux et les muscles obliques. Il renforce le tronc et renforce vos muscles abdominaux. Comment faire ? Allongez-vous sur le dos. Pliez vos genoux avec les pieds à plat sur le sol. Placez les deux mains sans serrer derrière votre tête. 4. Planche latérale. Il renforce les obliques et aide à construire des abdominaux plus forts. Comment faire ? Commencez sur le côté, avec les pieds joints tout en gardant votre avant-bras sous votre épaule. Maintenant, soulevez lentement votre hanche, jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite de la tête aux pieds. Accrochez-vous à la position, et répétez de l'autre côté aussi. 5. Squat. Il vous aide à être en meilleure forme, lorsqu'il est inclus dans le programme d'entraînement quotidien. Renforce les muscles du bas du corps pour les hommes. Cela peut être fait dans de nombreuses variantes. Comment faire ? Commencez avec les hanches en arrière avec le dos droit, la poitrine et les épaules vers le haut. Pliez vos genoux et accroupissez-vous en les gardant alignés avec vos pieds. Commencez par 25 squats par jour puis augmentez. 6. Fente. Un très bon entraînement sur le tronc qui vous aide à renforcer le bas du corps et la mobilité de vos hanches. Comment faire ? Abaissez votre hanche jusqu'à ce que les deux vifs se plient à un angle de 90 degrés. Avancez avec une jambe tout en gardant le haut du corps droit et détendu. Revenez à votre position initiale en gardant le poids dans vos talons. 7. Pompe. Fondamentalement, les pompes sont des exercices efficaces pour renforcer les muscles de la poitrine et des bras. Comment faire ? Mettez-vous au sol en écartant les mains de la largeur des épaules. Assurez-vous que votre corps forme une ligne droite. Commencez à baisser votre corps en gardant les coudes près de votre corps. Repoussez jusqu'à la position de départ de la planche haute. 8. Torsion russe. C'est un entraînement efficace pour tout l'abdomen. Il améliore l'équilibre du corps et vous aide à rester en forme. Comment faire ? Asseyez-vous avec votre torse penché en arrière à environ 45 degrés, les genoux pliés, les pieds un peu surélevés comme s'ils devaient ressembler à une forme de V imaginaire entre le haut du corps et les cuisses. 9. Genoux hauts. Il vous aide à travailler sur l'intérieur des cuisses et les zones extérieures des hanches. C'est aussi un bon exercice pour brûler les graisses du ventre. Comment faire ? Tenez-vous droit avec les pieds écartés de la largeur des hanches. Levez votre genou droit aussi haut que possible tout en levant votre bras gauche. Inversez le mouvement. Continuez à tirer les genoux rapidement. 10. Insectes morts. Un excellent exercice pour la paroi abdominale qui améliore la flexibilité et l'équilibre de votre corps tout en renforçant les muscles. Comment faire ? Allongez-vous sur le dos en gardant les jambes et les bras tendus vers le plafond. Étendez votre bras droit derrière votre tête tout en abaissant votre jambe gauche. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.